Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. J'ai déjà fait plusieurs documentaires sur Jacques Dutronc, donc je sais qu'il a horreur de parler de lui. Alors si vous voulez bien, on va faire ça dans le désordre. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Deux ou trois choses. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Je pense qu'il se réveille, non? Bon, avec une fin de tournée triomphale, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer, on ne sait jamais, il va peut-être se remettre ça à partir de janvier, on verra bien. Ça c'est le coffret? Non mais il en a déjà beaucoup vendu, c'est pas la peine d'en... Non, le montrons pas. Alors il est donné maintenant, c'est parce qu'il en a vendu. Ils font des petits cadeaux avec, oui. Est-ce que c'est l'intégrale? Quasiment, c'est les années Vogue, c'est-à-dire l'intégrale de quand il était chez Vogue. Je suis le président de l'association des téléspectateurs attentifs de Télématin. Ça fait patate qu'on résume, mais... Il faut savoir, tout le monde ne le sait pas, mais le président est un fan de friteuses. Il y a à l'intérieur un petit panier, Jacques. Petit panier. Pourquoi ce panier est-il si petit? Pourquoi ça, ce grillage est-il si petit? Ce sont des frites pour chats. Heureusement que mes chats ne sont pas là. Sinon, il y aurait une demande en bas énorme. Et les chats adorent ça, on l'a testé. Trois morts. Par moment, il parle de moi, tu fais un petit clin d'œil. J'ai même eu le droit au numéro de téléphone de la régie. Et c'est-à-dire que je peux téléphoner à la régie en disant « Dites-moi, là, il y avait un petit calembour que vous avez loupé. » Donc ça lui part dans l'oreillette, mais il le sort, mais ça n'a rien à voir avec la rubrique de la pauvre qui a préparé son truc pendant un mois et elle est dans la merde parce qu'elle parle du musée du Louvre, de je ne sais quoi. Non, mais j'aime bien, mais il y a plein de cinglés, c'est très bien. C'est un titre, j'y pense et puis j'oublie. C'était un peu en avance, puisqu'après la télé a culpabilisé très souvent les gens, disant vous rendez compte, il y a ça, ils sont montrés avec des images de mômes qui bouffaient pas, de ceci, de cela. Bon, et c'est trop fuyant de dire on y pense, on oublie. Puis c'est trop général. Non. Parce que chaque mec qui le chante, il pense que c'est pour lui, ça va. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de crèves-la-faim. Il y en a toujours, d'ailleurs. C'est là où est le problème, surtout. Parce que la chanson, elle est de 66. Et là, actuellement, c'est pareil. C'est pire, même. C'est ça, le problème, surtout. Donc, samedi pour vous. Pierre Vialet, 21-1, deuxième, voilà. Ah, je l'ai fait. Vas-y. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Doué. Quand je me sens doué, j'en sais rien. Épaté, à la hauteur, c'est pas mes, c'est pas mes trucs, mais bon. C'est-à-dire que jouant de la guitare, ça paraît tout à fait normal de faire des mélodies
de faire ses propres mélodies par moment. Bon, c'est vrai que c'est très inspiré souvent de certaines choses, mais... Non, mais c'est en jouant que ça vient. Mais... C'est pas un compositeur, c'est ce genre professionnel qui rentre dans le genre ou écrivain à la page blanche. Mais c'est un truc là-dedans, ou d'imagination, ou peut-être que le jazz amène une espèce de liberté qui fait que par moment, on se libère des thèmes prévus et on joue autre chose. C'est pas... Mais non, ça vient comme ça. Puis, comme tout le monde dit, c'est très bien encore. Encore, voilà. J'ai rencontré Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier m'a présenté un type qui s'appelle Volson et qui m'a dit, dites donc vous, puisque vous écrivez les romans, vous pourriez écrire des chansons. Ben, j'ai dit oui. J'ai écrit une première chanson qui s'appelait « Et moi, et moi ». Il y avait là un guitariste, un petit jeune, blond, assez beau, qui s'appelait Dutronc et qui a dit, tiens mais regarde, je vais te montrer moi comment on peut chanter ce texte-là. Parce que le texte ne rentrait pas très bien dans la musique. Et Dutronc a commencé à chanter. Il n'avait jamais chanté de sa vie. Et le directeur artistique, Volson, a dit « Halte là, c'est toi qui vas chanter la chanson. » 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Croyez-vous que je sois jaloux, pas du tout. Fais pas ci, fais pas ça, ah tada, trop trop de cadet, à cheval sur mon bidon. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. C'est un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. On se voyait pas vraiment beaucoup avec Jacques, non. On se voyait pratiquement pas. C'est pour ça que ça marchait. Sauf qu'il confondait beaucoup de choses. Enfin bon. Il n'était pas musicien du tout, alors donc il fallait tout remanier, il fallait tout refaire, changer beaucoup de mots, parce qu'il y a plein de mots qui ne sonnaient pas et tout ça. Bon. Sur le manuscrit que tu m'as offert, envoyé, d'ailleurs en lettre recommandée, il y avait, c'était un petit jardin, et maintenant tu me certifies que c'est joli. C'était un joli petit jardin. Je te parie je te parie tant. Car le essaye les deux, d'accord. Bon, la musique, c'est ça. C'était un petit jardin. Bon, veux-tu mettre joli? Oui. C'était un peu, c'était un joli peu. Non? Eh oui, ça va pas. Sans ça, je fais déjà chant. Où est-ce que tu t'es trompé? Je vais me faire une brique là, quoi. Non, moi je voyais ça comme ça. Enfin, bon, je sais pas, moi c'est l'arrangeur. Non, tu m'entends pas, j'ai mon cigare que tu m'as offert d'ailleurs. C'est trop, hein. Là, c'est pour montrer que j'ai joué. Bon, c'était un petit jardin. Sentait bon le métropolitain. Oh non, c'est pas vrai. Il y a que des mauvaises nouvelles. Vous allez bien tout le monde, hein? Ça va? Et comment il va? Il continue à chanter là, oui, en province, hein? Oui. On est venu pour te booster un peu dans ton travail. Ouais, c'est hein? Oui. Chanter les mêmes depuis 60 ans, c'est admirable quand même. En 66. Hein? Toutes les conneries. Il nous faisait rien, il remet ça. Les vieux regatons, dans résumé. L'indifférence générale, mais bon. La prochaine fois, je vous Françoise, voilà, ok. Jacques est très habité, là. Je te sens. C'est parce que je t'ai parlé de la mienne. Tout... Regardez-moi une fois. Terminé, là. Et je l'ai payé cher. Merci. Tu as fait carrière en faisant comme ça. Eh oui, il a fait, c'est incroyable. Françoise avait coutume de dire, c'est pas le meilleur, mais c'est le plus rapide. Oh, ça, c'est lui qui vient d'inventer ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dutronc? Alors, réfléchissons. Qui nous en chante pas une? Il faut... Non, ça surtout pas. Bon, ça non, ça non. Hein, faut pas que ça... Bon, il bon, y a une chose importante, c'est qu'il chante pas quelque chose. T'es d'accord? Oui, bon, surtout bon, qu'il bon, chante bon, pas. Donc, il ne chante pas. Bon, c'est déjà ça de pris. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Il a quand même eu l'élégance de ne pas renouveler son répertoire. Il a une certaine élégance, c'est ça.
de ne pas essayer d'en remettre une couche. Voilà. Il ramène toujours la même. Voilà ce qui nous permet d'assister à ces concerts sans arthrose. Absolument. Hein? Et presque ça nous rajeunit des fois. Mais oui. Et des fois d'un nombre d'années absolument considérable. Considérable. Parce que lui-même n'est pas des dieux. Il n'est pas si frais que ça. Hein? C'est la fille. Quand j'ai entendu ces premières chansons, je les trouvais nécessaires. Je me suis dit, en voilà un qui arrive, qui est nécessaire. Et sa distance, cette espèce de désir d'amateurisme m'a séduit énormément. Et je trouvais certaines chansons délicieusement imbéciles, et j'étais en manque de chansons délicieusement imbéciles. Imbéciles entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Tutoyer l'incongru, quoi. Hein mm-hmm. Voilà. C'est ça qui m'a séduit. Jacques est nécessaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Jacques est un homme nécessaire. Hein? Nécessaire, mais insuffisant. Voilà. J'avais une telle admiration pour lui que j'avais osé. Le faire convoquer pour que je le voie. Il était venu me voir rue de Provence comme ça. Et nous avions fait une espèce de tirade au flipper tous les deux ensemble. Et c'était pas mal ça comme émission de télé. Mais j'avais beaucoup de. Je l'appréciais beaucoup. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac-boum. Les filles en tombent à mes genoux. Célèbre. Bah, vis-à-vis de mes potes, peut-être, oui. Enfin, bon, ça faisait plus meneur que. Bon, disons qu'il y avait une reconnaissance de. En tant que leader des conneries, quoi. Enfin bon, des conneries organisées. Ouais. Il y avait une reconnaissance, quand même, un peu plus. Enfin, qui sortait du cercle de mes amis. Ouais. Là, c'était pas mal pour ça. Ouais. Mais je suis timide, quand même. Mais c'est-à-dire que je suis prêt à aller faire une déconnade, comme tu dis, là, ou des farces. Périlleuse par moment, mais je suis prêt à rembourser. Hein, je rembourse. Non, mais je rembourse et je vais voir. Je vais aller jusqu'à aller m'excuser après. Tout ça. J'ai démonté une salle de bain une fois entièrement à la main, hein, sans couteau suisse, sans rien. Je sais plus quel hôtel. Je sais pas parce qu'il fallait que je démonte la salle de bain. Ça a été dur. Hein, j'ai démonté la salle de bain à la main. Et après, grâce au lavabo, j'ai eu quelques outils. Tout est venu, la baignoire. Enfin bon, c'était, tu me diras, c'était fait là-bas. C'était pas ça tenait. Peut-être pas très très bien. Bon, j'ai tout repayé. Voilà. Le mec m'a dit, mais c'est rien, on comprend. On comprend quoi, bon. Ne passez jamais à l'acte. Voilà un conseil qui s'adresse surtout aux artistes. Ne finissez jamais une œuvre. Et même ne la commencez pas. N'ayez pas cette vulgarité. Vous voulez que je répète ? N'exécutez jamais, gardez les mains pures. Soyez comme ces millions de peintres ou de romanciers en herbe qu'ils resteront toute leur vie. En herbe, pas plus haut. Mourir intact, entouré de rêves intacts, de matériaux intacts, dans une obscurité digne et totale. Hey, what's in you, ta frau, clair ou bleu, canapé, bidet, et à coup. Tous les autres ont pris prenaient des noms à Merloc quand même. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, tous étaient bons, à part Ferrer. Et puis chantaient des trucs, souvent des adaptations, des trucs anglais ou américains qui débarquaient. Alors peut-être que c'était pour ça qu'il fallait un autre. Chanteur, soi-disant, je sais pas quoi, de twist, je ne sais quoi. Non, le rêve américain, tout ça. Ouais. Non, mais. Non, pas vraiment. Enfin, si, j'appréciais quand même leurs bagnoles, les trucs. Mais, bon. Mais l'Amérique, c'était soi-disant l'avenir. Enfin,
Je préférais peut-être le présent et être parigot de la Trinité. Mais... Albert Reisner vient de vous présenter son émission. Une émission faite de voix. Dieu, voici la liste. Pour ce soir des moucroutes. Bravo, Charles Davour est venu nous dire bonjour. Après de longs mois, passé au Suisse, pour nous c'est vraiment chic. Il nous revient l'Amérique. Vedette de cinéma, tu as chanté la famille au complet pour les ballets, l'autre jour dans les réglés. Les héros, j'en ai pas beaucoup de héros, hein, j'en connais pas. Les vrais, ils sont dans l'ombre, enfin, je sais pas, ils sont, enfin, il me semble. Hein. Il vaut mieux être un anti-héros que. On parle bien de l'héroïne. Non, non, mais j'ai compris. T'as bien compris. Les antéries. Mais il faut qu'il rie, il faut qu'il se démolisse lui-même, parce que c'est. C'est partie de son jeu. Bah, c'est-à-dire que c'est dans le désert des chanteurs. C'était quand même un des seuls mecs qui savait faire sonner la langue française, en tout cas. Et puis, il était bien comme mec. Alors, c'est, de toute façon, on s'est bien entendu, puisque moi, je voulais pas le voir. Je faisais chier, et réciproquement, lui, pareil, c'était dans le jardin, il me fait chier, petit, là. Et Françoise a fait la médiatrice, et donc, elle a eu tort, parce qu'après, ça a été l'inverse. Moi, je pouvais pas faire les mélodies qu'il faisait, et vice-versa. Parce que moi, j'ai pas derrière toute la l'Europe de l'Est, tous les folklores juifs, machin, tout ça. J'ai pas ça comme culture, de toute façon. Il a fait de belles choses, il a fait de très belles choses, même mieux que l'original. Hein. Bon, sauf que, apparemment, il disait que c'était de lui, mais ça, bon, c'est pas grave. Hein. Ta voix, tu la travailles avant, par exemple ? Faut faire quelques bruits. C'est le seul truc. C'est le seul truc qui fasse vibrer les cordes vocales. Ouais, j'ai l'air d'un con, alors je mets toujours Tino Rossi dans ma loge pour pas qu'on m'entende faire ça. Il y a Tino Rossi à mort, à fond. Et... Ah ouais, ouais. Au début, tous les mecs disaient, mais c'est un fou. En disant on va pas se rouler par terre pour le rock'n'roll quand même à 40 ans, 30 ans ça va à la limite, mais 40 non. C'était au jour le jour quand même, ça allait même. Et là j'ai refait le Palais des Sports à 67, c'est pas mal. En 67 ça allait, mais à 67 c'est autre chose. Il reste 4 couplets. C'est pour voir si vous suiviez. Non, non, je voulais simplement dire à l'orchestre, je trouve ça un peu mou. Surtout quand on dit j'aime les filles, tu vois, ça fait bizarre le rapprochement. Les hommes terribles. Non, je trouve d'ici ça fait un peu mou. Putain, je l'ai réveillé. Lui. Non, je te jure, ça fait. Il y a des gens qui jouent pas. C'est très bizarre. Bon, moins ils rigolent par rapport à des plaisanteries que je fais, plus ça me plaît. Parce que je peux en rajouter d'autres, encore pire. C'est une complicité qui doit. S'établir tous les soirs, quoi. Mais enfin, eux, ils ont le mode d'emploi, quand même. Moi, j'ai pas le leur. Hein. Là, ils ont le mien, plus ou moins, mais moi, j'ai pas le leur du tout. Hein.
Godard. Jouer un film de Godard. Oui, là, c'est une question de vous. Alors, jouer Godard, c'est... S'il était en face de moi, je vous demanderais... Je me demanderais qu'est-ce que tu répondrais là. Il ne dirait rien, bien sûr. Donc je peux pas dire rien. Je pense pas qu'on joue vraiment avec lui. Puis je veux dire, au lieu de s'installer avec Godard, au lieu de se mettre à l'aise et puis de dire à Godard, tout ça. Moi je trouve qu'au contraire, on se recroqueville, on a une espèce de peur. Enfin, c'est important, quoi. C'est pas. C'est pas par hasard, le Godard, je crois. Je voulais te dire que... C'est vrai. Mais c'est pas triste. Ah oui, Godard, c'est autre chose. Quand il se met à parler, c'est quand même pas mal aussi. Godard, c'est un bon. Hein. Ah, mais il est plus que ça, il est au-delà de... Puis il est hors système, tout, c'est bien. Puis il les provoque. Tout. Et moi, j'ai eu du bol lorsqu'il est venu me chercher à l'aéroport de Genève. Il m'a... D'abord, je sais pas quoi lui dire, mais Godard... Et j'ai eu une phrase qui m'a sauvé, j'ai dit « c'est vert ». Enfin, je regardais la route. Et après, il a dit « Jacques, il a tout compris ». Donc il a fait faire une dictée à Nathalie Baye et à Isabelle Huppert, je crois. Ouais. Une dictée. Et une dictée dans, comme quoi, comment elle racontait l'histoire de ce film. Donc il a mis zéro à tout le monde, etc. Mais moi, ça allait, j'avais tout compris, parce que j'avais dit c'est vert. Jacques, il voit tout sur un tournage. Il a l'air comme ça, de pas... Et je note et de ça. Il voit non, mais ça, sans noter, mais tu, il voit absolument tout. Du troisième figurant au fond à... Il observe, il regarde, c'est un voyeur. Hein, c'est quelqu'un qui... Mais dans le sens le plus génial du mot, moi, j'aime bien. J'aime bien, ça l'amuse. Non, c'est vrai, c'est un grand observateur. C'est... Comme c'est un grand inquiet, c'est vrai, t'es quand même inquiet sur... Ouais, oui. Donc, du coup, il... Et tout le monde doit l'être, sauf quand on se marre. Tu montais sur un escabeau, je crois, ou je sais pas quoi, et tu avais enlevé tes lunettes, donc tu me voyais flou. Et je me suis dit, mais il va se casser la gueule sur moi, il va me fracasser. Et ah, j'ai été gentil. Tu as été très gentil. Parce que c'est moi qui. J'ai fait un retournement, esquive rotative. Non, mais en plus, parce que Godard, c'est Godard, comme tu le connais. Non, mais t'es technique. Bien entendu, c'était pas des vers. C'était des vers normaux. Donc il fallait qu'on s'écrase dessus. Alors sa seule réponse, c'était si l'artère fémorale n'est pas coupée, il n'y a pas de problème. C'était ça, non? Oui, c'était ça. Mais je me rappelle, à chaque fois que je m'énervais, ça te faisait rire. Donc... ouais. Il me semble. Ça me faisait rire, moi? Oui. Tu m'as dit, ça me fait rire quand tu t'énerves. Alors bon, c'était difficile de jouer différemment énervé. Donc, alors il fallait que je rie, moi, pour t'énerver, je ne savais pas. Hein. C'était un tournage de toute façon très étrange. Je dirais jusqu'à étrange de Rosbif. Oui, exactement. Mais pas terrible celle-là. Bon, non, mais elle est pas mal. On s'en lasse pas quand même. Elle est une classique. Tranche de jambon, ça passe mieux. Ah, écoute, Denise. Mais il va répondre, ce facho. Ah, doucement, hein. Non, pas doucement, Polo. Plus jamais doucement. Et je lui dis, mais je m'habille comment alors? Parce que je lui dis, j'ai rien. Ben, il me dit, on va regarder le rien. Alors il vient dans ma chambre, et effectivement. Il me dit, ben, alors mets ma veste alors. Donc j'ai ses costards à lui. Mais il vérifie à chaque fois s'il laissait pas un centime ou un franc suisse dedans. Ouais. Je croyais qu'il plaisantait, mais pas du tout. Jacques, c'était... Enfin, moi, je connais depuis peut-être plus de 30 ans, je pense. Première fois, c'était sur un film de Sautet, Mado.
Et c'était, j'avais un tout petit rôle. Et puis ensuite, on a fait un deuxième film à Nice, dont on n'a toujours pas compris le scénario, qui s'appelait L'Ombre Rouge, un film de Jean-Louis Cambody. Et là, c'était un peu une période de flottement où je venais de me séparer de mon compagnon, donc je n'étais pas dans, dans une forme brillante. Et Jacques, avec ça, comme ça, mine de rien, mais il voit tout, il me dit « Comment tu rentres à Paris demain ?» C'est la fin du tournage, je dis « Je vais prendre le vol de telle heure. » Il me dit « Tu rentres pas seule. » Donc je suis revenue, m'a ramenée à Paris en voiture avec... sa bande de sbires qui le suivait toujours. Donc voilà, il y a une amitié qui s'est tricotée comme ça au fil des années, en sorte plus de 30 ans. On rencontre des tas de personnes merveilleuses dans ce métier, des tas de personnes aussi qui sont absolument inintéressantes. Puis il y en a quelques-unes qui restent comme ça sur la longueur. Et Jacques fait partie de ceux qui restent sur la longueur. Le problème numéro un, c'est les autres. On a beau dire, ils risquent souvent de nous la faire aimer, la vie. À éviter, donc. Pour bien rater votre existence, sachez faire le vide autour de vous. À cet effet, travaillez les relations avec autrui, avec pour seul objectif de les supprimer toutes. Ce qui serait intéressant, c'est de lui faire faire, je pense, un jour, un tueur en série ou un pédophile tueur d'enfants, tu vois. Ah, c'est mon rêve, ça. De dégueulasse absolu, hein. Ah, ben ça, c'est mon rêve. Hein. Ouais, mais pas absolument absolu, parce qu'il devient sympathique. Et voilà. C'est là où tout le vice du truc. C'est-à-dire qu'il a la prétention, voilà un être prétentieux. Il a la prétention d'être sympathique, quoi qu'il fasse. Alors, imagine. Non, mais parce que c'est. Un pédophile tueur d'enfants. Ah, oui. Bon. Oui, ah, alors, oui. Et tu le rendrais sympathique? Ah oui, non, peut-être pas, non. Une vraie ordure, oui, c'est bien. Une belle ordure, c'est beau, ça. Ah, une belle ordure, c'est bien. Oui, c'est le César est attribué à Jacques Toutron d'un bain de gorge. C'est lourd, hein? Bien, je vous remercie. Grâce à vos applaudissements, je suis d'abord très flatté, etc. Bon, je ne veux pas remercier tout le monde parce que ce serait trop long, mais déjà vos applaudissements en disent long. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus, enfin, vis-à-vis de moi en tout cas. Je ne sais pas, la prochaine fois, je crois, peut-être. Puis je voudrais Maurice en face de moi. Bon. Non, il ne me regarde plus. Bon, ça fait rien. Je sais pas, à bientôt, hein, je crois. Puis je vous remercie encore. C'est par là. On va peut-être quand même parler de son Van Gogh un peu. Parce que là, il nous a bluffé quand même. Lui, quand il a joué. Ah, tu t'en souviens plus? Le Piala. Une des grandes interprétations du XXe siècle. Je ne rigole pas dans le cinéma. Ah oui, là il nous a épaté. Hein. Et c'est marrant parce que on sentait que ça avait dû se passer comme ça. C'est ça qui est drôle. Oui, oui. Ouais. Mais oui, oui. J'ai rêvé, moi, le lendemain, que le vrai Van Gogh m'abordait aux Champs-Élysées et que je disais non. Il avait je le connais, le vrai, je l'ai vu. Ça, c'est un compliment. Hein. Oui. Ça, c'est un compliment sérieux. Hein. Très. D'ailleurs, le silence s'instaure. Mais ça glace. Immédiatement, j'ai senti mes camarades rasés. Quand même, tu m'as étouffé. J'aurais travaillé plus fort, j'aurais fait de bien meilleures choses. Je le sens bien, j'ai rien fait d'important. Et puis, c'est trop triste. J'arrive au bout du rouleau. T'as rien remarqué ces derniers temps? Non. Ce que je peins vaut plus rien, de la merde. T'as vu le portrait de Marguerite Gachet? Un tas de boue. Écoute, enfin, c'est un moment de transition, ouais. T'exagères toujours. Et t'es à ouvert depuis combien de temps? À peine 2 mois. Et on peut pas toujours être au sommet. Au sommet? T'as jamais aimé ce que je fais. Ah, de temps en temps, un mot, une phrase de pure convention. Mais tes goûts à toi, je les connais. Tu m'as jamais parlé comme ça? Jamais? Quand
quand Piala vous a dit qu'il vous a choisi après d'autres d'ailleurs pour jouer Van Gogh, qu'est-ce qu'il vous a dit de Van Gogh? Rien. Comment il n'y a rien? Rien. Vous n'avez pas eu de conversation? Pas du tout. Alors, donc à ce moment-là. Non, mais le seul fait, d'avoir été dîner avec lui à 20h30, enfin je suis arrivé à 20h30, lui peut-être à moins 25, ça suffisait pour lui que je fasse le film. Mm-hmm. Et pour moi aussi. Mais alors vous, à ce moment-là, avant de jouer Van Gogh, pour vous, c'était qui? C'était quoi? Ben, évidemment, vous savez que c'était un peintre, un grand peintre, mais encore. Peut-être. Non, mais le peintre, on connaissait, mais le reste, qui peut connaître? Oui. Donc c'est là où tout était à faire ou à ne pas faire, mais. Surtout à ne pas faire, vu ce qui s'était déjà fait sur lui, ou écrit, je crois. Parce que l'histoire de l'oreille, comme par hasard, je sais pas. Si on doit se couper quelque chose et offrir quelque chose à une pute, je pense pas que c'est l'oreille qu'on lui offre. Enfin, il me semble. Enfin, j'ai pas. Et non, la seule condition, si on peut amener quelques conditions lorsqu'on accepte de faire quelque chose, c'est... je ne voulais absolument pas peindre. Vous vouliez pas peindre? Non, absolument. Ah oui. Ce qui me paraît la moindre des politesses vis-à-vis d'abord des peintres, de Van Gogh. T'es allé dans une école de dessin et qu'est-ce que tu faisais comme genre de peinture? J'étais assez sinistre, hein. Il n'y avait jamais un soleil, tout était plutôt dans les gris comme là. Gris, kaki, c'était assez sinistre, le ciel était assez plombé, plutôt figuratif qu'abstrait. Ben, abstrait, le seul peintre réaliste, c'est celui qui a repeint ta chambre ou ta salle de bain. Hein. Là, au moins, c'est clair et net. Hein. Non, mais je suis pas comme certains là, qui peignaient vraiment et qui brûlent leur toile après. T'sais. Ah non, moi, c'était pour me marrer, puis je peignais sur n'importe quoi. À l'huile d'olive. Enfin, non, je sais même pas s'il y avait de l'huile d'olive à l'époque. Là. Enfin, l'huile de merde, là, même. Marinera, reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour. Danser cette rumba d'amour. Je cherchais une place de parking, je me suis garé ici, j'ai dit, je suis bien, voilà. Pourquoi aller ailleurs ouais. Moi qui aime les arbres et tout ça, bon. J'aime plutôt la nature. Enfin, on est quand même plus peinard ici que dans Paris, respirer, je sais pas quoi. Là. Pourtant, on peut le trouver ici, ça alors. Non, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est carrément un autre rythme, c'est ça qui est bien, même. Ouais. Mais il faut s'y habituer à chaque fois, se réhabituer. Ouais. Il y a toujours quelque chose à faire. Oui, il faut vérifier. Non, tout le temps. Ouais. Même si c'est rien, mais il faut le faire. Ouais. C'est physique? Ah oui, tout est physique. Tino Rossi, ouais. Comment tourner? Bah ouais. C'est très apaisant, c'est bien. Non, puis c'est bien. Il s'adresse qu'aux femmes, tout ça. C'est incroyable, les textes. Non, mais c'est très reposant, voilà. Et après, je mets Johnny Cash, hein, je préviens. Mais... Oh la vache, fais gaffe au chat, hein, t'es fou. Oh, je vais pas trop vite. Oh la vache. Oh là non, là il y a un trou, là je peux pas y aller jamais. Ah merde, Derek, là il y a de l'action là, il vient d'ouvrir une porte. Va-t-il refermer la porte? Oui. Ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, ils sont dans un hôtel au bar, il y a 1000 personnes, il y a un mec au fond, et l'autre dit tout le temps, Stéphane, tu trouves pas qu'il a l'air louche, le mec? Harry, calme-toi. Il a l'air bizarre. Effectivement, c'est l'assassin du feuilleton de la série. C'est incroyable.
Ah, c'est fini, moi, Derrick, ça y est, c'est mort. Ouais. Quoi, c'est fini? Non, mais je veux dire, c'est accoutumance. Ah, ben oui, oui, mais c'est accoutumance terrible. Tu continues toujours? Ah, oui. Ben, moi aussi. Des trucs que j'ai vus 17 fois, et il fallait même pas les voir 16. Et on ne peut plus s'en passer. Je crois que c'est l'extraordinaire nullité de la chose. C'est absolument fascinant. Ah, c'est d'une connerie. Ben oui, non, mais ça, c'est phénoménal. C'est fascinant par la connerie, parce qu'on est là en très beau. C'est que si on prend la bonne distance, tout est intéressant à la télé. C'est ce que je dis tout le temps. Ah, bah ça, je suis d'accord. Là, je trouve qu'il n'est pas cabotin pour un sou. Non, mais c'est la vérité. Il n'a jamais... Non. Moi, je sais que j'en aurais fait beaucoup plus que lui. J'aurais été odieux à sa place, avec le succès qu'il a eu étant tout jeune. Mais lui, non. Pas du tout. Souvent, je m'habille avec les costumes de mon père, qui était quand même plus balèze que moi. Et... Ah ben, fais gaffe, ouais. Non, mais ça se voit pas, non, ça fait... Non, c'est bien. Le menton en l'air, allez. Non, mais c'était pour faire chier ceux qui étaient justement avec ce genre de truc, avec Paix au Vietnam, là, peut-être. Tous avaient ça, ils s'habillaient aux puces. Le mec, il faisait tout pour être réformé, et bien entendu, il était habillé en militaire. Je veux bien que ce soit de la provoque par rapport au militaire, mais... Bon, moi, j'ai été en militaire, étant militaire, comme d'ailleurs la plupart des chanteurs de ma génération, les vrais, je parle. Et bon, après, c'est vrai que j'ai mis des costards genre bourgeois avec le gilet, ça me faisait marrer. Avec montre, avec les chaînettes. La chaînette. Ouais. Chaque adolescent, oui, il était moins âgé déjà, alors ça fait beaucoup, hein. Il a toujours été gentil, et, c'est vrai. Il n'était pas difficile, pas du tout. Du moment qu'il faisait à peu près ce qu'il voulait, il ne réclamait rien. C'est vrai? Ah oui! Le cigare? Ah ouais, mais ça, c'est mon père qui fumait ça aussi de temps en temps. Ça fait un peu bizarre comme pose, mais bon. Non, mais je veux dire, maintenant, un mec, parce que ça faisait une image de banquier. Quand je voyais les pieds nickelés, à chaque fois, ils étaient sur la Riviera avec manteau, avec la fourrure, et c'est énorme cigare. Mais parce que je lisais les pieds nickelés, quoi. Par contre, par rapport au tabac, j'ai dû fumer tous les restes, tous les clubs de mes parents. Là alors, j'ai été malade. Hein. J'aurais dû être dégoûté à vie. Mais bon. Pourquoi t'as vécu si longtemps chez tes parents? Bah, c'est chez mes parents, enfin au-dessus. Bah, c'était pratique, il y avait des putes en bas. Et mes parents au second, moi au cinquième et sixième. Non, c'était bien. Ma mère n'était pas concierge, donc elle ne vérifiait pas qui montait ou qui descendait, mais... Bon, elle pouvait peut-être entendre quelques mouvements de talons hauts dans sur les marches, mais... Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid, sinon... Fais pas me joindre, Tino Ross. Mère aimerait être repoudrée. Papa dit maman, fais pas si, fais pas ça. Ah, tata, prout, cadet, à cheval sur mon bidet. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon... Au départ, quand on m'a dit il est né, J'ai vu dans une espèce de pièce, il y en avait énormément, il devait y en avoir une trentaine. Donc j'ai dit, je veux celui-là. On m'a dit, ah non, c'est pas le vôtre. Il me dit, le vôtre, c'est lui, là. Il était violet, rouge, je sais pas. Non, j'ai dit, bon, ben, c'est lui. Il peut-être que bien, ça. Ça change quand même beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs, au fond à gauche, là, dans la coin que vous connaissez tous. Et puis dans la même pièce, enfin... Certaines vedettes font participer leurs enfants à leur vie publique. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Moi, je suis plutôt partisane du contraire, parce que je trouve que, enfin, qu'un enfant, c'est mieux qu'il ait la vie la plus normale possible. Ah,
Entièrement d'accord. Je sais pas qui a monté ça, je sais que ça avait, c'était pas terrible. On était tout à fait contre ce genre de truc. D'ailleurs, on l'a jamais revu après Thomas. Sauf qu'il s'est vengé là maintenant. Ça fait 2 ans et demi qu'il est partout, c'est moi partout. Dans chaque hôtel, je suis obligé de donner mon prénom maintenant. Thomas Dutronc, non, c'est Jacques, le père. Ah bon, ben, ça va, excusez-moi. Écoute, il s'en est bien sorti jusque-là. Hardy, Trondy, Dutry, Ardon, Hardy, Dutronc. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le trouver. On s'est trompé deux fois. Là, j'ai chanté trop tôt. Hardy, Trondy, Dutry, Ardon, Hardy, Dutronc. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. Je sais pas, je suis peut-être pas d'un caractère à rester tout le temps à roucouler. Non, mais j'étais souvent en tournage aussi, attention. En tournage, pas à l'étranger, mais à l'extérieur, comme on dit. Il y a ça, il est tourné. Il est tourné aussi. Jacques Dutronc et François Hardy ne se quittent plus. Elle ressemble à Angélique, son ex-fiancée. Bourgeois qualifie belle. François le trouve formidable. Avec lui, elle rit tout le temps. Voilà, Dutronc lui a fait oublier qui que je ne connais pas. Si elle n'avait pas été avec Jean-Marie à l'époque, peut-être que je ne sais pas. Mais comme elle était avec Jean-Marie, j'ai dit, c'est pas possible. Elle va louper sa vie, qu'un type pareil. C'est là où peut-être que c'est l'amour. Enfin, ou alors j'ai une espèce de dévotion comme ça. Je l'ai écartée pour que Françoise puisse vivre quand même une vie plus ou moins normale. Ce que je préfère, c'est son charisme et sa discrétion. C'est plein de choses. Et, à vrai dire, j'ai presque rien à lui reprocher. Oh là là, c'est beau. Est-ce que t'aimes pas chez lui, alors? Tu l'as appris que t'aimes pas, quand même. Peut-être qu'il a... Il n'éprouve jamais le besoin vraiment de dire, d'exprimer. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'au bout d'un certain temps, finalement, on en vient à vivre chacun dans son coin, à plus parler. On se croise. Ça évite les accrochages, comme en bagnole. Sinon, il faut faire des constats. Non, puis on s'engueulait pour des trucs totalement idiots. Ben alors maintenant, c'est l'inverse. Elle détestait la viande saignante. Donc c'était un combat. À chaque fois, j'avais de la viande grise, alors que j'adorais la viande saignante. Le vin, elle buvait je sais pas quoi. Un truc infâme, alors que maintenant, c'est une connaisseuse, trop même. Elle emmerde tout le monde pour le vin. C'était des petits détails comme ça qui font que je partais en tournée. Non, c'est pas vrai. Ben, ça arrive à beaucoup de gens. Pendant 5 ans, tout va bien, puis d'un seul coup, terminé. Il valait mieux protéger, étaler ces 5 ans. Alors, je sais pas combien d'années. Mais... Je crois que tu vas pas chanter de chansons d'amour. Si, si, mais elles sont absolument ridicules. Enfin, si, sûrement. Si, si, il y en a. Je me demande si c'est pareil dans la vie, si tu trouves que c'est un petit peu ridicule d'être amoureux. Quand on l'est, on se rend pas compte. Donc, on se pose pas ce genre de questions. Ouais. Par exemple, tu fais un... Non, mais le seul truc que je retiens d'être amoureux, c'est que ça rend sourd, c'est ça. Non, aveugle ou je sais pas quoi, ce qu'on dit. Moi, c'est fait. Ah ouais, poupée. Ouais, poupée. Ouais, poupée. Oh, tu devrais l'appeler ouais, poupée, celle-là, ça serait bien. C'est pas mal, c'est assez moderne, c'est... Ouais, poupée. Ah, toute la musique que je veux. La fille de Thank you.
il est très difficile d'obtenir une vie complètement ratée. Souvent, les échecs sont intermittents, limités, sans conséquences, et ils peuvent même cacher de petites réussites. On est pauvre, mais digne. On est cocu, mais on gagne au loto. On est con, mais on a la Légion d'honneur. On assassine sa belle-mère, mais on devient célèbre grâce au procès. Bref, il y a des compensations. Une vie ratée, vraiment ratée, doit être une vie sans compensation. J'ai fait plein de choses qui m'emmerdaient et la récompense, c'était de faire des choses qui me plaisaient. Bon, c'est de pouvoir faire des choses qui vous plaisent, c'est déjà un grand truc dans la vie. Faire un travail avec plaisir, c'est déjà énorme. Est-ce que c'est moi qui regarde le cimetière ou c'est le cimetière qui me regarde ? Et la mort. Ça y est. Moi, je veux bien y penser, mais du moment qu'elle ne pense pas à moi, tout va bien. Le jour où elle pensera à moi, bon, ben, on verra. Mais... Je verrai ce qu'elle me propose. Je voudrais être calciné parce que... Ouais, finir dans un cendrier, il n'y a pas de raison, hein, dans un gendarme. Ouais. C'est bien triste, tout ça. Alors, je vais appeler le responsable. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pays.